Donc c'est Lily 26, enfin Baby Lily, ce que vous voulez. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'épisode 4 de Tomb Raider. Donc notre objectif était d'escalader cette tour radio là. Donc du coup on va le faire direct. Par contre je sais pas comment on va escalader ce bordel, mais c'est pas grave. Attendez. Je sais pas s'il faut ressortir ou pas en fait. C'est le truc. Ah attends. C'est quoi ça? Attendez, je sais même pas ce que c'est. Ah d'accord, ok. Oh my god. Ouais, elle me fait peur. Bon, après le froid, le chaud. J'ai envie de vous que dire. Ça marchera après tout ça. Enfin, j'espère aussi, sinon ça aura servi à rien du tout. Et ce serait un petit peu dommage. Alors, F. Ah, nickel. On est dehors. Ça, c'est sûr. Bon, du coup, attendez, on va faire les deux points de heureusement que Ross m'avait compétence. préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade, c'est comme si je m'étais préparé à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi? Alors. Oh putain! Putain! Sale con, va! Il essayait de se cacher, mais c'était nul. Ah ouais, mais combien ils sont? En fait, je t'explique, tu sers à rien, mon gars! Ton cul. Non mais toi t'es nul à l'arc hein. Lui il est intelligent un petit peu. Non encore ou pas du coup. Ah de l'autre côté. Aïe, mais casse-toi, mais t'es conne! La meuf, genre, elle reste normale. Sous les gens là. Oh là. T'as voulu faire le mal, hein? T'as fait le mal, hein? Pourquoi ça marche pas? T'es nul ou quoi? Genre pourquoi F ça marche pas? Oh, ok, le mec il a servi strictement à rien ce qu'il a fait. Mais je ne t'en veux pas du tout. En fait c'est plutôt toi qui sors de là parce qu'en fait c'est toi qui campe. Je me montre là, non? Ok, d'accord. Ok, il est mort. T'es débile.
Allez, tire! On le tire à la tête, on va voir. Et lui tire! On va se calmer, hein. Direct. Oh, mais quel bâtard! Je peux pas avoir de l'eau, genre. Comme dans Minecraft, de l'eau. Il y a de la lave. Enfin, il n'y a pas de la lave, il y a du feu, donc de l'eau. Allez, sors de là, mon gars! Allez, toi aussi, sors! Je t'ai pas fait à la tête, mais ce n'est pas grave. Allez, sors! Mais non, mais elle est sérieuse, elle recharge. Non, mais t'as qu'à recharger avant. Allez. Allez, crève. Tout seul. Mais, oh, mais... Genre... Mais non, mais tu te fous. Tire à la tête, allez. Qu'est-ce que t'as? Non! Quoi? Encore? Non, mais t'es sûr. Comment? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Tu m'expliques? Concentre-toi. Tu peux le faire. Comment je fais, mage? Non, 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 non. Bon, en fait, j'ai fait un truc de merde. Mais vas-y, bâtard. Ok. Ok. Bon, bah, t'es nul à chier. Je pensais que j'allais. Mais tu sers à rien, mon gars. En vie. Oui, je suis en vie. Alors, qu'est-ce que t'as là? C'est moi la boss. Putain, ils se ressemblent tous les bâtiments là. Oh, je suis pleine. Mon dieu. J'aimerais bien aller sur la tour radio, tu vois. Tranquillement. Allez, on sauvegarde à moitié. Nickel. Attendez, j'ai 976. Bon, je fais l'arc direct. Voilà. Après. Quoi? Ah, j'allais dire. Qu'est-ce qui me sort? Ah, j'ai plus de sous, j'ai plus de matériaux, pardon. Ah, nickel. Nickel au chrome. Hop. Ok, c'est parti. Ça devrait être solide. Bon, je vous avoue que ça va être une partie de... On voit les fesses de Lara. Mais je suis désolée. Ce n'est pas de ma faute. What? Ok. Bon, tu vas m'expliquer comment elle va redescendre. Mais c'est pas grave. Elle va sauter, tu vois. Allez, go, go, go. Bon, j'aurais eu le vertige, moi. Je te le dis direct. Ah, mais non, il y a un truc là. Il y a un fil là. Du coup, c'est cool. Allez, allez, là c'est une partie de boobs. Allez. Encore des trucs à.
Normalement, c'est bon. On est arrivé et... Ah non. Oh putain. Mais genre... Putain, c'est qui va faire ça, s'il te plaît? Je serais même pas capable de faire ça. Nickel, on est arrivé là normalement. Donc si elle veut aller jusqu'au truc rouge. elle est arrivée, ouais. Alex ? Lara ? Je suis devant le panneau. Ok. La tour devrait renforcer le signal de l'émetteur. Ensuite, trouve le canal d'urgence et essaie d'avoir un signal clair sur ta radio avant de diffuser le SOS. Hey. Tu sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Merci. Alors, déplacer vers la gauche. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft de l'Endurance. Ah, nickel. Nous avons fait naufrage sur une île dans le triangle du dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence. Répondez. Répondez. Allez. Mayday, Mayday. Ici Lara Croft de l'Endurance. Ici l'avion November 177 Alpha. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. Vous commencez à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Ah, Lara Croft, t'es incroyable. Hey, trop forte. Reyes a même esquissé un sourire. Hop, 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 hop. Faites du feu pour créer un signal de détresse. Voilà un bon moyen de descendre. Des cuves d'essence. Il faut que je trouve un moyen d'enflammer ça. Oh, qui a-t-il là? Ouh! C'est quoi ça? What the fuck? Allume-feu! Non, mais tu fous de moi là! Comment ça devrait marcher? Comment tu fais l'allume-feu? Moi je ne comprends pas. Du coup, là. Ouais, bouge ton cul, t'es conne aussi. Ah, ça commence à devenir tout noir. Oh my god. Oh putain. Le sourire, puis... la désespérance. Bon, allez, bouge Lara, là. Sinon tu vas crever. Thank you.
Bon, je vais me casser la gueule, moi, tu vois. Non, mais s'il te plaît. Comment tu veux qu'elle fasse ça, s'il te plaît? Je suis trop nulle. Allez, bouge. Moi, j'ai très peur. D'accord, trop forte. Il y a toujours quelque chose de mal, hein, c'est abusé. Le pilote. Je dois le retrouver. Oh mon Dieu. Oh putain, ça va être la galère, je sens encore. Non mais comme par hasard, elle va dans le trou, il faut pas quoi. Non mais n'importe quoi. Elle est un peu blonde sur les bords. What? Mais... En fait, tu veux qu'elle fasse quoi, s'il te plaît? Je vois rien. Mais ils sont marrants, hein. Adieu. Comment veux-tu que je fasse ça, quoi? Non mais là-dedans, là, tu vois. Là, c'est simple. Non mais va là, tu vas pas autre part. Elle m'énerve, va faire n'importe quoi, là. Oh... N'importe quoi. Allez, bouge. C'est vraiment des bâtards. Lara, tu es là? Connard. Défonce mes amis. Enfin, même si je le connaissais pas. Attends, je m'assois dessus, quoi. Non, mais que veux-tu que je fasse avec lui, là? Non, mais je ne comprends point. Je n'arrive pas à chasser cette idée de mon esprit. Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. Pas rationnel. Tu sais que ce n'est pas rationnel, Lara. Il y a forcément une explication. Ça, c'est sûr. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. J'ai pas fait assez attention. Et maintenant, ils sont morts. Bon, du coup, on va se laisser là pour Lara, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah non, attendez. Cette tempête, elle est sortie nulle part. Ces nuages, ils ont comme encerclé l'avion. Écoute, Lara, j'ai vu le crash de là où je suis. Donc, tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. J'arrive. Bon, écoutez, on va se laisser là. La prochaine fois, bon, on va rejoindre Ross et puis on va voir ce qu'on fait vu que l'avion s'est crash.
Donc voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode. Donc prenez soin de vous et puis bye bye.